Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Robocraft, chers amis. Et on repart avec ce robot qu'on a légèrement modifié dans le précédent épisode pour voir s'il les fera plus efficace ou pas, comme ça. Hop, c'est parti. Plus rien à faire, on y va, on joue le jeu. Et on se retrouve donc d'ici quelques secondes pour le départ de la partie. Ellipse. Voilà, re, chers amis, on y va. Hop. On y va, on bourre. Je rappelle qu'on n'a pas encore malheureusement les bombers, hein, les fameux bombers, les petits bombers entre guillemets. Manque de moyens, hein, littéralement. Ok. Aïe. Qu'est-ce que... Un putain de bombardier! Ils ont pas capturé la nôtre quand même. Putain, si. Wow, pourquoi le drift? Pourquoi le drift? C'est nouveau, il faisait pas ça avant. Peut-être qu'il a à refaire ce robot, hein. Peut-être. Hein. Je me suis éclaté dessus à le faire, j'ai pris les pièces qu'il fallait, mais. Peut-être qu'il est pas bon. Mais putain, mais. Alors là c'est pas bon. Il a de cesse de se casser la gueule, ce n'est clairement pas bon. Casse-toi! Mais casse-toi, abruti! Casse-toi! Mais qu'il est con. S'il se remet en dessous, il va se remettre en dessous. Un joueur a disconnecté. Vos temps de respawn ont été réduits. Je sais pas quoi dire. T'es une merde. Tu m'entends? T'es une merde. Il se remet en dessous. Je suis sûr qu'il va s'en mettre en dessous. Ah d'accord, ouais, on peut rien y faire en fait. Là, on est baisé. Bon! C'est génial, c'est la fête. On a déjà deux personnes qui se sont barrées. Allez, bourre. Putain, mais t'es solide toi sur la fin. Je suis en train de faire une marche arrière, mais ça se voit pas des masses. Merci les heals. Non. Ok, il est plus du tout contrôlable en fait ce robot. C'est génial. Casse-toi, putain. Oh, mais c'est saoulant. Nier, bah je vais te taper dedans, bah oui tu parles. Bon, ce robot est naze. Et les gens qui sont avec moi sont nazes. Il y a un crevard dans l'équipe. Et des gens qui ont des vaisseaux qui sont pas censés voler, qui ne savent pas les contrôler. Bref, je suis énervé. Et 2-3. Vous savez quoi, c'est l'heure du rush. Allez, on y va.
Sinon ils vont nous baiser le nôtre avant, donc c'est pas la peine. Oh forcément. En plus il avait ça. Génial. Absolument génial. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Donc ce vaisseau est raté. Je me suis fait chier à l'équiper en plus. Bla. Bon, catastrophe. Catastrophe. Mais bon, c'est comme ça. Et il veut même pas aller en ligne droite, hein, c'est... Ah. C'est compliqué. Il est solide ce machin là. Aïe. Bon. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon bah Bill Bokeh ne peut plus s'appeler Bill Bokeh déjà de base hein. C'est bon. Ok. C'est la fête. Je m'éclate, hein. Honnêtement, je m'éclate. Je m'éclate. C'est la fête. La fête. Ah bah, il y en a même qui s'arrête de bouger, ça y est. Oh putain, puis il va pas en ligne droite. Ah, c'est pas possible. Non, casse-toi. Casse-toi, casse-toi. Your bottom fusion tower has been captured. Your fusion shield has been deactivated. Encore. Your plutonium reactor is under. Non mais laissez tomber les mecs, laissez tomber, laissez tomber. Laissez tomber. Laissez la partie tomber. Laissez-la. Hop, non, c'est moi qui aurai le kill. C'est moi qui aurai le kill. Putain, c'est pas moi qui ai eu le kill. Voilà, j'ai eu un kill. Ok, bon, c'est la fête. Hop, moi je passe par là parce que je sais que je vais pas prendre un gros virage. Marche arrière. Je continue ma route. Sur ma route, oui. Non, je vais pas chanter ça. Y a plus de bruit. C'est silencieux d'un coup. Je vais aller les surprendre. Clock cycle booster activated. Spotted. Allez-y les mecs. Fusion tower is under attack. Your middle fusion tower has been captured. Je l'ai bien vu. Ah, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à les abattre. Oui, vas-y. Vas-y, bourre-les. Bourre-les. Oui. J'arrive. Je viens te remplacer. Continue. J'arrive. Your top fusion tower is under attack. The enemy protonium crystal is near. Non, marche arrière. J'ai activé la marche arrière. C'est bon. Your top fusion tower is under attack. Pourquoi il a plus tendance à glisser d'un côté que de l'autre? Ah, trop de propulsion par rapport au grip. C'est là qu'est le problème. Ah ah, je l'ai vu partir à gauche. Your bottom fusion tower is under attack.
Allez! Oui! Non! Non! Non, j'avais fait tellement de dégâts sur leur machin! Non! Mais pourquoi? Pourquoi? Oh putain! Oh là 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 là. Tant pis, tant pis, tant pis. Bon. Alors, ce robot, chers amis, n'est pas performant. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Donc, on va le déconstruire. Tout de suite, là. Hop. Et on va en reconstruire un autre. Peut-être pas tout de suite, je sais pas. Peut-être pas tout de suite. Je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas. Toujours sur une base de 2, hein, chers amis, qu'on puisse toujours garder la protection bouboule, là. D'ailleurs, tiens, est-ce qu'on pourrait pas justement faire ça? Hop. Je veux essayer un truc, chers amis. Je veux juste essayer un truc. Je vais me faire assassiner, mais c'est pas grave. Je veux juste essayer un truc. Hop. Hop. Il faut donc. Hop. Essayons, essayons, chers amis. J'ai envie d'essayer un truc. Bon. Allez. Bon. Ok. Bon. On fait le test et on verra bien ce que ça va donner. Hop. Ok. Hop. Voilà. Hop. Voilà. C'est juste un essai, hein. J'ai envie d'essayer un truc. Hop, maintenant il va me falloir un cube classique. Hop, histoire 2. Hop. Ah, il semblerait que j'ai faim, chers amis. Oula, reviens par là, toi. Là, ça va réaugmenter la taille, on est d'accord. Donc, c'est pas ce que je veux. Hop. Ok. Du coup, j'essaye, hein, je sais des choses. Donc là, par exemple, ça passerait. Ça. Oh, ça me donne des idées. Alors, comment je peux déplacer ça par là? Voilà, merci. Hop. Voilà. Il
J'en ai combien? J'en ai 6 ou j'en ai 8? Telle est la question. J'en ai 8. Enfin, 2, 4. Ouais, c'est ça, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. C'est ce que je voulais savoir. Je vais juste voir si j'avais ce qu'il fallait ou pas. Hop. On va reconstruire ça. Hop. Hop. Voilà. Hop. Ok, ça c'est bon. Et normalement. Normalement, si ça se passe bien. Ok, ça devrait être bon. Ça devrait être bon, chers amis. Ça devrait être bon. Voilà. Même si le trou est plus gros que ce que j'imaginais, c'est pas grave. Hop, ça devrait être bon. Ok. Ok, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas alors. Ok. On va essayer de réduire au maximum l'espace. Hein. Hop. Mince. Hop. Voilà. Ok. Une base de deux de chaque côté, ça devrait être suffisant. Ok, non, pas par là, merci. Hop. Hop. Je réfléchis en même temps, chers amis, ce qui rend les choses assez compliquées, je reconnais. Je réfléchis en même temps. Ok. Non. Non. Hop. Je cherche, hein, je cherche, chers amis. Je cherche l'inspiration. Alors. Je cherche l'inspiration. Et elle est compliquée, elle veut pas venir. Hop. Protéger le centre. Au niveau du centre. Ok. Voilà.
Voilà, châssis. Long rod. Si je mets des shorts, est-ce que ça suffira? Apparemment oui. Parfait. Ok. Ok, non, ça c'est bon. Ok. Décalage de 1. Ok, parfait. De ce côté-là, ça c'est bon. Les suspensions. Hop. Ok. Écran trop près. Hop, j'ai reculé de 2, je le sais, chers amis, n'inquiétez pas. Hop. Là, ça passe, normalement. Voilà. Les steering d'abord. Du coup, est-ce que là, par exemple, je pourrais le passer à l'intérieur? Oui, je pourrais. Parfait. Parfait, parfait. Alors. Si je place ça comme ça. Ok. Il nous redécale un peu plus vers le centre. Mais malheureusement, cette fois-ci, on est directement dans le truc. Ok. Ou alors, tout simplement. Ah là là. Pas faire trop. Donc, peut-être qu'en passant comme ça, remarque. Mais là, ma roue risque de toucher. Là, la roue risque de toucher. Je me trompe? Oui. Elle touche. Si je passe là un cube un peu plus particulier, peut-être? Hop! Est-ce que là, ça passe? Ça passe toujours pas. Ah, c'est celui-là que je voulais. Hop. Ok. L'inspiration vient, hein, petit à petit, mais il faut lui laisser le temps. Il faut lui laisser le temps. Ok. Hop. 2, 3.
2, 3. Parfait. Crac. Même si normalement ici c'est ça. Attendez, je vérifie quand même, parce que j'ai l'impression de faire une connerie. Gnagnagna. Non, c'est bon. Hop. Voilà à quoi c'était censé ressembler à l'avant, à la base. À la base des bases. Hein. Et donc à la carte. Normalement, je suis au bon endroit. Mais alors, du coup, c'est sur quel cube? Le deuxième, oui, c'est bien ça en fait. Hop, crac. Je peux réitérer la même expérience. Hop, voilà. Bon, au niveau du mouvement, c'est fait. Au niveau de la protec, ça reste à terminer. Hop. Important, je passe celui-là comme ça. Les autres, normalement, on va vérifier quand même. Hein. Mouvement, armement, armement, j'ai dit, merci. Hop, voilà. Hop. Ici, pour terminer ça, je pense que j'aurais tenu un truc comme ça. Ici. Hop. Bon. Hop. Voilà. Et donc là, histoire 2, je termine comme ça. Hop. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas? Ici, par contre, je peux mettre sans aucun problème ce genre de choses. Hop. Si normalement je devrais pouvoir être en mesure de mettre. Je vais pas pouvoir en fait, non, parce qu'il va pas. C'est vrai, il va pas dans de face. Ah. Ça. Je vais mettre ça. Ou alors tout simplement. Hop. Je fais comme ça. Je place ici ceci. Ce qui me fait placer ici d'autres comme ça. Hop. Et le côté cosmétique est réglé. ouais, ça c'est bon. Hop. Ça va protéger un peu plus le comment le système de mouvement. Si je peux appeler ça comme ça. Hop. Ça correspond plus à la morphologie de la fin. Ok, ça c'est bon de ce côté-là. Ça c'est bon. Ok. Alors, maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Pareil ici, je pense. Hein.
comment réaliser ce prodige. Hop. Comme ça. Hop. Et ici, on pourrait presque les laisser comme ça. Hop. Juste pour voir. Ouais, non. Si je fais ça comme ça, c'est cassé. Hop. Ok. Hop. Pousser le vis jusqu'au bout, littéralement. Hein. Hop. Crac. Hop, je peux avoir un cube comme ça, s'il vous plaît, merci. Hop. Crac, crac. Voilà. Et voilà. Ça résout plusieurs problèmes. Crac. Problème d'ordre cosmétique, certes, mais des problèmes quand même. Hop, pourquoi pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est parfait. C'est bien ce que j'avais compté. Hardware. Il faudrait la right, s'il vous plaît. Hop. Hop, maintenant il faudrait la left. Hop. Ce qui fait qu'on va être plus ou moins. Je répète. Plus ou moins. Ouais, non, ça me plaît pas. Là, c'est la forme qui me plaît pas. C'est là que c'est le pire, en fait, chers amis. C'est que c'est la forme qui ne me plaît pas. Hop, et si je fais ça comme ça? Ok. Alors la left en plus. Ok. Ça pourrait passer. Hop. Ça protège strictement rien. Dans l'autre sens, il faudrait que ça se passe. Hop. Et l'avantage, c'est que ça me permet de garder ce principe-là. Hop. Et donc là, il me faut la right. Non, il me faut la left. C'est ça. Ah, tiens, je reçois des messages. Non, il me fallait la right. Voilà. Hop. Et là, ça protège. Cool. Cool, cool, cool. De ce côté-là, c'est bon. Maintenant, pour réussir à faire l'autre côté. Un, deux, trois, quatre. C'est sur le cinquième cube. Un, deux, trois, quatre. C'est sur le cinquième cube. Ok, c'est bon, j'ai. C'est marrant, c'est... Si, c'est bon. Si, si. J'ai l'impression que c'était pas le bon, mais si, c'est bien le bon. Si, si. Ok. Hop, et là, normalement. Et je me suis encore planté. Voilà. Donc là, ce côté-là est extrêmement protégé. Au niveau des mouvements, en tout cas. Les roues arrière sont pas du tout protégées. Ça, ça va être beaucoup plus problématique. Ça va être beaucoup plus problématique. Ok, bon. Alors, tentative numéro 1. Uno. Jouons tous à Uno. On va rigoler. Moi, je rigole jamais quand je joue à Uno.
Nordal, si tu regardes cette vidéo. Il va mal le prendre. Heureusement, je sais qu'il les regarde pas trop, qu'il a pas le temps. Moi. Ah, ah. Allez. Hop. Si. Ok. Bah limite. Je vais arriver à la mettre dans le bon sens, inquiétez pas, voilà. Hop. Pourquoi je l'ai pas fait plus tôt, remarque. Hop. Crac. Gardons le même principe partout. L'avantage, c'est que vu l'épaisseur des cubes qu'il y a, ça devrait être assez tenace. Hein. Par contre, maintenant, d'ici là qu'il arrive à bouger, le machin. Ok. Hop, hop. Voilà. En plus on a qu'un seul armement quoi, c'est assez cheap. Hein. Alors ensuite ici, il faudrait que je mette deux longues rods. Hop les. Deuxième. Nathanos CPU ? Quoi déjà ? Oh putain ! Quelle horreur ! Il a qu'une seule arme ! Oh ! Bah écoutez, on va faire une partie avec, on va bien voir s'il est efficace ou pas. J'ai des doutes. J'ai honnêtement de gros doutes. Il peut pas être efficace techniquement. Enfin, légère partie avec, je fais une ellipse et on se retrouve tout de suite. C'est vraiment pour la blague, hein, parce qu'il va pas être efficace. Ok, re, chers amis, excusez-moi, j'ai bourré tout mon setup. Wouah ! J'ai bourré le setup ! Voilà. Ça va être rigolo. The battle for Gleas Lake has begun. Je l'ai pas testé du tout avant en partie, hein, vous avez pu le voir. Hein. Là. Et vu le poids que je pèse, j'arrive quand même à... Ah oui, d'accord, en fait, tous les trucs à pattes... Oui, j'ai bien compris, excuse-moi. Voilà un bourbeau. Ok, donc les deux mouvements ne servent à rien du tout, hein, soyons honnêtes. J'ai deux tiges sur les côtés qui ne servent non plus à rien. Et je n'ai plus d'armement. Bon, ok. Soyons honnêtes, le vaisseau est naze. Le robot est naze. Le robot est vraiment très très naze. Ça va être une véritable boucherie. Alors, je précise pour ceux qui ne l'ont pas compris, je suis en train de planer alors que je suis censé bourrer le sol normalement. Ça va être génial cette partie. Il est pas tanky du tout. L'armement est extrêmement fragile. Je comprends pas qu'une arme méga puisse être aussi fragile en fait. Alors ça, je comprends pas. Je le vois pas moi l'adversaire. Pourquoi lui me voit ? Pourquoi lui me voit si moi je le vois pas ? Hop. C'est ça que je percute pas en fait. T'inquiète pas, je suis là. Ok. Nombreux là par contre. Hein. Ok. Oh, pardon. Excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. Non, mais allez-y. Je... Je
j'aurais pu te toucher, s'il te plaît. Lag encore plus. Non, j'ai pas réussi à le toucher une seule fois. Ok. Bon, bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Le prochain robot sera un track. Sera un truc, un robot à chenille. Voilà, c'est dit. Je sais pas ce que je vais faire comme robot à roue, mais le prochain robot sera un robot à chenille. Je pense que je ferai un robot à roue, mais mieux que ça. Oh là là. J'ai fait une merde. Je suis désolé, chers amis. J'ai vraiment merdé, littéralement. Hein. Il n'y a pas d'autre mot que ça. J'ai merdé. Wouah. J'ai bien fait de le laisser blanc, hein. Ça montre à quel point c'est un rookie. C'est pas un rock, c'est rookie, c'est un bleu en fait, c'est ça, c'est... Il est vierge de toute expérience, on va dire. Ah merde, il y a bien un truc. Ah bah, je suis encore arrivé trop tard. C'est pas grave. Ça me demandait des fois s'il n'y a pas que les mecs qui tiennent le coup. Non. Oh, le coup de frein. Tu peux te barrer, s'il te plaît, merci. Ouais, sympa. Aïe. Ok, on y retourne. C'est vrai qu'il a zéro protection par le dessus. Hop. J'ai peur d'aller au combat. What? Et j'ai plus d'armes, ça y est. Wouhou, fuite! Fuite! Aïe! Fuite quand même! Fuite quand même! Cette capacité à fuir! Blah! Et ça l'arrête net, hein! Vous avez remarqué, hein! Merci! Je sais pas si ce que tu fais c'est bien, mais merci! Bon, ça, on n'en refera pas. Soyons honnêtes, hein, un truc comme ça, on n'en refera pas. Je sais pas quoi faire, on va dire. Là. Non, je ne veux pas mourir. Bon. Bon. Alors ça m'a demandé de mettre deux machins, deux DCA entre guillemets sur l'hélicoptère. Oui, mais le problème c'est que les DCA ça pèse lourd. Ça pèse vraiment très lourd. Ça pèse extra. Je suis encore niveau 3. C'est une catastrophe, chers amis. C'est une catastrophe. Et j'ai plus d'armement. Je donne des levels à mes adversaires en fait, c'est ça le principe. Mais je peux continuer à avancer. Je continue. Oui, je suis reparti, je suis de nouveau dans la course, chers amis. En fait, je sais pas si le prochain robot sera un track ou autre chose. Touché. Oh. Tu m'as eu, mais je t'ai eu aussi. Il. Non. Non, on va pas. Aïe. Merde, je t'ai dit. Ah, il est sympa son truc, dis donc, ouais. Si je comprends pas le principe, parce que s'il a mis 0 flag, normalement il est pas censé. Enfin, s'il a mis des petites hélices là, il peut pas voler très haut. Normalement. Que je sache. J'arrive, les copines!
Je suis complètement inefficace. Ou alors je le garde et je le mets en rose. Je sais pas. Un rase. Je pourrais la mettre en rase, chers amis. Ok, ils l'ont eu. Oui! J'ai fait un kill avec ce robot moisi! J'ai fait un kill avec ce robot moisi! Et je serai là à la fin! Je serai là à la fin! Ce robot est complètement moisi! Moisi de chez moisi! Oh là 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 là! Catastrophe! Catastrophe, catastrophe, c'est pas possible. Oh, par contre, j'ai une autre idée de robot catastrophe. Oh oui, j'ai une autre idée. J'ai une autre idée. Il m'a rapporté quand même 500 000 ce sac. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser sur cette défaite amère. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, de faire trailer dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo.